Hey, salut tout le monde, c'est Xelepon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous montrer comment bien commencer la survie. Déjà, je vais commencer à créer mon nouveau monde. Bon, je vais créer avec vous comme ça, il n'y a pas de triche. Hop, comme ça on avancera ensemble. Donc, nouvel emplacement de monde. Alors, quel côté je vais y aller? Côté plaine, non, pas côté neige parce que sinon ça va être foutu pour moi. Bon, allez, côté plaine, un peu chaud. Allez, hop, commencer la survie, d'accord. Et voilà, nous sommes dans le nouveau monde. Et bien sûr, le monde de Star Wars, ce que je viens de voir. Allez, je vais parler, je pense qu'elle va donner un truc. Je viens en ami, ok? Je vais devoir vous croire sur parole, mon escadron a disparu et je ne reconnais pas cette planète. Ben, c'est la planète Terre, madame. Qui sait quel danger nous entoure? Vous avez l'air de bien connaître l'endroit. Vous pensez pouvoir aider la rébellion? Continuez. Je m'appelle Brava. Comme vous aidez la rébellion, pour vous, ce sera Capitaine Bavara. Ok, Capitaine Bavara. Je vais devoir établir un avant-poste temporaire. Les membres de mon escadron sont actuellement décimés dans la nature. Il va nous falloir un endroit sûr où nous regroupons. Ah, c'est blablabla, blablabla, on s'en fout. Bon, avant la nuit, il faut que j'arrive à construire quelque chose. Je ramasse tout ce qu'il faut pour faire un feu de camp et un abri. Hop. Ah, au secours! Aide-moi, 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 aide-moi. Vas-y, oui. Donc. Pour bien commencer, il faut prendre de la nourriture. Hein. Voilà, ça c'est un truc de base qu'on doit savoir. Voilà, donc le B, ça peut nous aider à garder la vie plus longtemps possible. En plus, il y en a plein, 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 plein. Et bien évidemment, je vais prendre des buissons pour faire de la lumière. Car tous les gens, je pense que le savent, hein, pour faire de la lumière, bon, il faut prendre... Ça, oui, on peut casser assez facilement avec le poing. C'est des buissons, quoi. Donc, ça, c'est pour créer de la lumière. Ça s'appelle lire. Lire, pas ou lire, comme vous voulez. Maintenant que j'ai réussi à avoir pas mal de ressources et puis il va faire nuit, il faut que je mette absolument le feu de camp quelque part. Donc, il faut choisir un endroit plat. Donc, premier temps. Le feu de camp, ça permet d'avoir un PNJ ou un personnage à côté de soi pour nous protéger. Et ensuite, il demande four, mais bon, c'est pas ce qu'il faut faire pour l'instant. Moi, je vous conseille plutôt de construire d'abord, parce que les postes de travail, ils ont besoin d'abri. Donc là, pour l'instant, je vais mettre enfin, une construction pour abriter le poste de travail. Hop, voilà. Ça va vite, hein. Ça prend même pas 2 minutes. Vous allez voir. Hop, le toit. Et voilà. Là, c'est presque terminé. Ah, c'est terminé déjà. Il reste. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On peut faire un lit. Voilà, je suis applaudi. Elle est contente. Elle est contente, pardon. Maintenant, je peux rajouter un totem et établi. Donc, le totem, ben, je mets bien sûr à côté le feu de camp. Ça, c'est ce qui vous permet de construire votre village, quoi. Donc, bien évidemment. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein. Moi je mets, ou alors vous pouvez mettre la maison. Moi je commence, bon je mets ma lettre A, l'initiale. On est que je suis connu, hein.
Donc couleur jaune, allez, hop, j'aime bien le jaune. Non, aléatoire, confirmé, c'est fait. Bon, à partir de maintenant, je peux construire ce que je veux. Donc vous avez remarqué, hein, j'ai pas mis. Ouh, lolo. Il faut que je reste à côté le feu de camp. Mais je suis obligé de faire un établi pour faire des torches. Donc voilà, hop, je vais faire un établi ici. Comme ça, je peux fabriquer une torche. Voilà, hop. Voilà, pour éviter que j'ai froid en permanence. Là, on est bien avancé déjà. Hein. On est bien avancé. J'ai l'établi, j'ai le feu de camp, j'ai totem. Donc, je peux continuer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une pioche. Voilà. Hop, ça va être vite fait. Voilà, j'ai une torche, j'ai une pioche. Et maintenant, il faut que. Comment je peux améliorer? Donc, pour améliorer l'établi, il faut que j'ai planche et carapace. 8 planches et 3 carapaces. Et ensuite, pour améliorer le totem, donc il faut du bois. Ah, j'ai pu améliorer tout de suite. Ah, bah, c'est cool, voilà. C'est amélioré. J'ai une scierie, ça c'est bien pour faire des planches. Voilà, je suis bien avancé déjà. Pour l'instant, on est sur une base. Hein. Hop, je peux même construire déjà des petites cabanes. Hein. Voilà, ça va vite. Hein. Donc, ce que je peux faire, c'est de faire des petites cabanes comme ça. Comme ça, je peux mettre les outils dedans. Donc, j'essaye de mettre à proximité, hein, de ne pas trop coller. Devant le totem pour essayer de faire un village comme il faut. Bon, je vais construire ma petite cabane. Donc, c'est juste pour abriter mes outils hein, pour l'instant. Bon, je vois que j'ai beaucoup de retard, donc il me faut une scierie, donc ce qu'il me faut pour faire le reste des outils. Allez, hop, je mets ici avant qu'il pleuve. Ah bon, je vais mettre là plutôt. Voilà, c'est bien placé par là. Ensuite, pour faire des outils, bah, il me faut des tiges de bâton aussi. Bon, je pense que je vais faire ça dans le premier temps. Voilà, hop. Maintenant que j'ai tige de bois, est-ce que je peux faire une hache? C'est très important la hache pour avoir plus de bois. Non, je peux pas pour l'instant. Ah, c'est du bois. Ah, ok, d'accord, c'est juste du bois. Non, non, c'est pas du bois, non. Ah, si. Je voyais pas en fait. C'est bon, j'ai une hache. Ça s'appelle comment cette hache? Ça s'appelle hache forestière. Type 2, enfin 2 quoi. C'est bon, je peux enfin couper du bois facilement. Ah oui, maintenant que j'ai la hache et les pioches, ça va assez rapidement pour avoir les ressources qu'il faut pour la suite de l'aventure. Ça va très vite là. Regardez. Youh, je coupe tout. Hop, allez, à moi le bois. Bien évidemment, j'ai cassé toutes les arbres autour et puis tous les cailloux autour pour avoir plus d'espace. Après, il y a du bois que vous pouvez pas enlever. Hein. C'est comme bois de bouleau, par exemple. Ça se régénère tout seul. Donc, si vous avez dans votre propriété, vous pouvez rien y faire. Donc il faut pas construire devant quoi. Bon, je continue ma petite maison. Enfin, plutôt un abri. Pour ne pas se prendre la tête, vous restez juste en dessous. Hein. Hop. Voilà. Normalement, ça se fait tout seul. Hop, voilà.
terminé. C'est terminé, cabane double, construction terminée. Bon, maintenant que j'ai ça, donc je peux casser l'établi qui est là, parce que pour moi, c'est pas à sa place. Pas ici. Voilà. Donc je vais mettre dans ma petite cabane qui est là. Voilà, comme ça, moi, c'est bien rangé. Et pour la bouffe, grille. Donc je mets au milieu toujours. Hein. Voilà, comme ça, ça gêne pas. Il y a l'espace pour l'établi, il y a l'espace pour Siri. Et il y a de l'espace pour griller la viande. Maintenant, je peux commencer à griller une viande. Et maintenant, pour l'épée. Alors, je vais regarder, est-ce que je peux améliorer mon établi. Donc, il faut carapace, ok. Il faut carapace. Donc, il faut une épée. Une épée, je peux le faire. C'est bon. Maintenant, j'ai tous les outils. J'ai l'épée, une hache et une pioche qui est bientôt cassée d'ailleurs. Et maintenant, l'objectif, c'est de créer des coffres. Il faut créer des coffres pour ça, il faut faire des planches. Plusieurs planches. Donc maintenant, on peut aller jusqu'à 80. Avant, c'était juste 30. 30, maintenant, on peut aller jusqu'à 80. Pour le bois, voilà, ça s'arrête là. Et je vais voir d'abord le totem. Bon, il faut avoir 10 planches pour améliorer le totem. Donc j'en ai assez pour encore améliorer le totem pour voir meilleure construction. Hop, voilà. Ah, j'avance assez vite, hein. C'est pas très compliqué. Bon, là, ça, c'est là que ça commence à être sérieux, on va dire. Mais je vais voir la construction. Est-ce que c'est amélioré? Non, il donne pas pour l'instant. Il donne pas d'autres constructions pour l'instant. Et j'ai pas le choix de faire des petites cabanons. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le coin par là. Ici, il y a de l'espace par ici. Hop. Voilà. C'est vraiment pour bien pour commencer, hein. Et la maison est terminée. Voilà. Hop. Juste le dernier petit toit à mettre. Le cabanon en rondine est fait. Quand c'était terminé. Maintenant, il faut que je mette de la lumière. Hop, il faut que j'aille sur la chaise, le meuble. Hop, je vais sur la petite l'ampoule. Et voilà, ça fait de la lumière. C'est de la magie. Voilà, sur le 4 coins. Et à l'extérieur, c'est pareil. Hein, je mets aussi de la lumière. J'hésite là. J'hésite. Bon, je vais mettre là. Hop. Ici c'est mieux. Voilà, c'est tranquille, hein. Non, j'ai mis un peu trop loin, mais c'est pas grave. Donc j'ai la lumière à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut que je mette le lit juste là, premier lit, voilà. Est-ce que je mets plusieurs? Je vais essayer de m'organiser comme je peux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du lit. Hein. Du lit pour l'instant. Donc, je vais mettre un point là. Non, hop, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Là, moi, c'est organisé. Maintenant, je peux inviter l'un des personnages qui va, bien sûr, m'aider. Par la suite, enfin, partenaire, je suis Resto. Vous avez besoin d'un truc, vous avez qu'à crier, ok. Lui, pour l'instant, bah, ça va m'aider à. Est-ce qu'il va venir déjà? Oui, il vient et je vais lui demander à faire à manger. Il a dit qu'il veut faire à manger.
aider le village. Ah, il ne peut rien faire pour l'instant. Bon, dans ce cas-là, il va m'aider. Comment dire? Il va m'aider à avoir des ressources, c'est-à-dire des carapaces, vu que j'ai rien pour l'instant. Bon, il manque un peu de camp ici, non? Je pense, hein. Un petit deuxième, ça fait quand même joli. Pardon, la miss, s'il vous plaît. Voilà, hop, merci beaucoup. Voilà. C'est quand même mieux avec deux feux de camp. Il faut que je mets des coffres un peu partout, justement pour stocker mes affaires. Ah, je commence à être bien là. Hein. Une petite maison de la prairie avec les coffres. C'est bien là. Voilà, maintenant que j'ai les coffres, bon évidemment, je mets tous mes outils dedans. Donc voilà, hop, ça, j'en ai besoin pour plus tard. Ça aussi. Ça, c'est pareil. Hop. Voilà, le bois avec le bois. Et voilà, je suis bien là, je suis bien placé. Ça, je vais ranger pour l'instant parce que macro jumelle, on va dire, j'ai pas besoin pour le moment parce que je suis vraiment encore tout au début. Du coup, lui, il va m'aider. Explorons, on va chercher des carapaces, mon ami. Allez, vas-y, le premier loup, oui, KO, KO. Premier loup dans la poche. Par contre, on n'a toujours pas trouvé des carapaces. Ah, je l'ai pas vu. C'est lui qui m'a trouvé. Allez, à l'attaque. À l'attaque. Oui, pour les carapaces. Dans la poche, maintenant je peux faire l'amulette vitalité. Bon, il faut que j'en ai plusieurs. Hein. Ça commence à être bien cette histoire. Vas-y, viens toi, viens, 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 attaque-moi, et tu regretteras. Oh, on est rapide, hein. On est bien, là. Merci, mon ami, tu m'aides beaucoup, là. Il manque encore deux carapaces, hein. Je vous signale. Maintenant, je peux prendre de la viande, maintenant que j'ai des épées, enfin, j'ai de l'épée. Je peux prendre de la viande. Désolé, petit mouton. J'ai besoin de ta viande. De votre viande. Mais par contre, c'est dommage qu'on peut pas construire. Enfin, construire. Faire des vêtements. Fabriquer des vêtements avec la laine. Ma petite laine, laine, où es-tu? Non, pas la laine, mais les carapaces. J'ai vu, il y en a à gauche, là-bas. Je vais l'attaquer tout de suite. En fait, ils apparaissent tous les jours. À l'attaque! J'ai entendu la vibration. Vas-y, va m'attaquer. On esquive. Maintenant, à l'attaque. Tu vas pas rester longtemps, toi. Oui! Allez. On a deux carapaces, là. Il ne reste plus qu'un. Là, c'est moi qui a fait toutes les taffes, hein.
Oh, j'ai de la chance. Allez, hop, à l'attaque. On esquive. Vas-y, attaque-le. Tap, 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 tap. Aïe. Aïe, il fait bien son travail, le petit fermier, là. Il fait bien son taf. Maintenant, j'ai 3 carapaces. On va dire que c'est suffisant, mais il faut toujours avoir plus. Bon, maintenant que j'ai les 3 carapaces, il faut que j'améliore mon établi. Bon, toi, je vais te libérer en attendant. Voilà. Vas-y, t'es libre. Tu vas chercher du bois en attendant. Voilà, hop. J'ai plus besoin de toi. Maintenant, il faut que j'améliore l'établi. Donc, il faut des planches et carapace, bien sûr. C'est parti! Allez, 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 allez! Oui, c'est fait! Maintenant, je peux faire la pioche atypique. C'est bien. Hop. Ensuite, je peux faire, pour faire pioche atypique, il me faut tige de bois neveu, pardon. Et pour faire hache forestière un peu plus améliorée, atypique, donc niveau 3, il me faut tige de bois et os. Oh, ben je peux le faire ça. Je crois que j'ai de l'os quelque part. Mais avant, il faut que je fasse cuire ma petite viande. Voilà. Amulette aussi, je peux faire l'amulette. Ah, je peux faire l'amulette. Ok. Voilà, je peux faire l'amulette. Pour ça, il faut marbre, carapace et fil de soie. Ok. Ça, on fera ça à la prochaine aventure, mes amis. Oh, ah, j'ai oublié un truc. Il faut que je dors. Il faut que je dors dans un lit pour dire que voilà. Cet endroit, c'est comme ça, si je meurs, ben, j'apparais à cet endroit. Voilà. Donc ça sera ça le lit. Voilà, je fais le tour pour bien commencer. Ben, en tout cas, pour moi, j'ai bien commencé pour le moment. Donc, j'ai pas collé hein, les constructions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de cliquer sur like, de commenter, de partager. Et puis toi qui passes par là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, bah, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir mes anciennes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!